Not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? Et voilà ma mine. Ma mine. Alors, cette mine est bien. Alors là, il y a du charbon. Cette mine est bien parce que... en fait, c'est pas pour changer de zone. Parce que normalement, il y a plein de mines et c'est pour changer de zone. Mais le truc, ce qui est cool, c'est que cette mine, en fait, va à l'entrée du point de désolation. Donc, c'est bien. Donc, c'est cool, en fait. On peut rester au chaud, tranquillement. Rester au chaud tranquillement. En tout cas, est-ce que nous prenons du coal, du charbon? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on va prendre du charbon. Il reste 0,23. Fais voir un peu pour la... Je suis assez étonné de ne pas avoir trouvé d'autres lampes, parce que la plupart du temps, dans mes runs, en fait... Je trouve 2-3 lampes. Et là, j'ai pas mémoire d'en avoir trouvé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même essayer de ramener 2-3 pierres de charbon. Ça se dit, 2-3 pierres de charbon? Je sais pas, je l'ai dit. On a du bois, on pourrait le casser. Ça c'est pour Miam Miam. Oh, Fire Steel, yes. Oh putain, il a que à 36%, on fait chier. Fire Steel, c'est pour faire du feu, hein, en fait, à peu près partout. Par contre, bon, c'est 36%, quoi. Je crois que quand on l'utilise, ça utilise genre 3%, un truc comme ça. Je pense pas que ça soit 5, parce que ça ferait beaucoup. Je crois que c'est 2-3%. Donc ça, c'est un peu un problème. Comme j'ai dit, j'aime bien, moi, réunir le charbon à l'entrée ou à la sortie. De toute façon, une entrée, ça devient une sortie, ça dépend du sens qu'on prend. Mais voilà, tout dans une même zone, c'est ce que je fais, moi. Enfin, bien sûr, au possible, hein, au possible. Je crois qu'on est à la fin de la mine. Ouais. Très bien. Best be prepared for anything. Combustible pour lampe. Faut bien regarder derrière les boîtes, hein. C'est très très important. Ok, alors ce qu'on va faire là, c'est que quand on va sortir, on va tourner à gauche. Et tourner à gauche, ça va nous permettre d'aller vers l'église, vous savez, j'en avais parlé, de l'église qui était cassée, enfin détruite, je crois bien. Voilà. C'est parti. Des planches. Wow. J'ai cru entendre un grognement. Ouh la vache, comment ça descend vite. Merde. Oh la vache. Quoique non, on n'était pas au maximum. Ah, elle est là, l'église. Non, on n'était pas au maximum. Alors, ce qui est bien, c'est que dans l'église, on peut faire du feu. Mais bon, c'est ouvert, hein, c'est détruit, je crois bien. Donc, bon. À moins qu'il ait changé. C'est possible qu'il l'ait changé, hein, avec la mise à jour.
Elle a l'air fermée. Non, elle est ouverte. Non, je crois que... Ouais, non, c'est ouvert, ça. Non, par contre, faut faire attention. Oh la vache, le bout de bois, lâche-moi. Faire attention. Les croix, on peut pas les casser. Les croix en bois. C'est quoi, ça? Oh, c'est un lapin qui fait le tour. Oh la vache. Foutu les boules, ce con. Ça, c'est... Notre petit prêcheur. Ça se dit, prêcheur? C'est très peu de chance de trouver quelque chose ici. Hein. Moi, j'ai jamais rien trouvé, vraiment. On a un livre, la couture facile, du journal, on s'en tape. On peut faire un feu ici. Par contre, c'est bien protégé. C'est ça qui est pas mal. Donc, à la limite... Bon, bah... Cassos. Non, par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il fasse aussi froid, quoi. Oh la vache, je te pète pas une jambe. Ok, on est de retour sur la route. On va se mettre à l'abri le plus possible, mais on a froid. Oh la vache. 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 Il a eu peur. Je crois que... Quand on fait des différences de niveau, vous voyez ce que je veux dire? Genre on descend, on monte, etc. Je crois que c'est quand on monte, quand on descend surtout, quand on tombe. Quand on fait des différences de niveau comme ça, je crois que ça leur fait peur de temps en temps. Parce que j'ai remarqué que ça arrivait souvent quand je... Parce que, ça va, vous avez un peu compris mon système, moi. Chaque fois c'est de m'accrocher aux parois, etc. Et je fais ça souvent, en fait. Et j'ai l'impression que ça arrive très très souvent quand je me fais courser et que je fais des acrobaties. Bon, par contre, on a le vent en pleine face. Là, c'est super chiant. Parce que là, moi, je... Je voudrais arriver, je voudrais sortir de la zone et arriver dans l'autre zone juste avant, et on va pouvoir se, vous savez, se mettre au sous-sol pour se réchauffer un peu. Donc on va pouvoir faire ça. Parce que là c'est un peu la merde. Notre vie commence à descendre. This pack is getting too heavy to carry. Non. Je voulais juste boire un peu pour m'alléger le sac. Là, c'est si j'avais récupéré la corde, vous rappelez, on l'a laissé au... Ça. On l'a laissé au... Au phare. Ok, on est là.
Et on est encore en vie. Putain, le vent, on l'entend encore. Je sais pas si c'est normal, par contre. D'entendre le vent encore une fois. Enfin, qu'on continue. On va manger ça, ça va nous faire de la nourriture et de la boisson en même temps. On perdra moins de vie. Alors, moi, j'arrive à voir. Donc, faites-moi confiance. J'arrive à distinguer, c'est pas trop noir. Après, je sais pas. Dites-moi si, dans un sens, dites-moi dans les commentaires. Après, ça dépend des écrans, hein, tout ça. Là, on parle pas du jeu, là, on parle des écrans. Mais est-ce que vous voyez quelque chose? Moi, j'arrive à distinguer la mine. Genre par exemple là il y a une lampe, je la distingue clairement. Bon, c'est très sombre, mais je la vois. Là on se baisse, etc. Dites moi si vous voyez ou pas, ou c'est complètement noir pour vous. Je voudrais bien savoir. Peut-être mon écran qui est trop clair. C'est chiant de configurer les écrans, surtout les nouveaux. Enfin bref. Alors là, on va retourner dans... Là, on passait la mine, parce que j'ai oublié de rappeler qu'en fait, on allait repasser par la mine. On a la mine, puis après, on a le sous-sol. J'aime beaucoup cette petite musique, ça me rappelle The Thing de John Carpenter. J'adore. Ouais, on n'est pas très loin du camp au final, hein. Ça va. Hein. Le problème c'est que ça va être lent parce qu'on est lourd et j'ai pas vraiment envie de poser des choses, quoi. C'est ça le truc. J'ai pas trop envie de poser des choses. J'ai envie de continuer à avancer, moi. Et après, comme j'ai dit, on va devoir sûrement dormir dehors, donc un peu la merde. On verra combien il faut de... 15 bâtons, 5 morceaux de tissu. C'est 15 bâtons un igloo. Et après le tissu on l'a. On fera un igloo près de notre camp, en fait, je pense. Ou alors on dormira à côté d'une voiture, on verra. Allez, on sort. Et nous y sommes. Petit raccourci. Petit raccourci sans se péter une jambe, ça serait bien. Ok. Donc je dois dire que c'est vraiment pas l'idéal, hein. Le coup de la tempête. Mais bon, on fait avec. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais nous allons faire un igloo après. Un igloo et on dormira à l'extérieur comme ça. C'est quoi ça? Ah, charbon, cool. On fera un igloo et... Ça s'appelle un igloo, mais ça ressemble pas vraiment à un igloo. En fait, c'est avec des bâtons et du tissu. Les igloos, c'est fait avec de la glace. Enfin bref, bon. C'est pas grave. On va faire ça. On dormira à l'extérieur. On pourra faire même un feu devant si on veut.
On n'a pas vraiment besoin. Enfin, je sais pas, après la chaleur, on verra. On essaiera de dormir la journée. Pour éviter tout problème de froid. Ok, on y est. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est attendre ici un peu. Mais on n'a pas énormément de ressources, c'est ça le problème. C'est qu'on n'a vraiment pas beaucoup de ressources. Et je voudrais pas trop m'attarder, quoi. Parce que faut aussi qu'on dorme à un certain moment. Et bah le problème, c'est de dormir, quoi. Donc ce qu'on va faire, on va se mettre là. On va voir si on peut pas genre réparer nos vêtements ou des trucs comme ça. Tiens, ça c'est mieux. Genre passer un peu de temps, le temps de se réchauffer et peut-être avec de la chance. Oh, putain, tu fais chier. Merde. Alors, déchirer peut-être. Peut-être avec de la chance, le temps va se calmer. Parce qu'on a quand même beaucoup de chemin à faire et j'ai peur que qu'on en crève en fait du chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Ah! Ça se calme ou... Non, non, ça souffle toujours. Ça souffle peut-être moins, mais ça souffle toujours. Alors les vêtements, il faut pas tous les déchirer et tout ça parce que... Parce que si jamais on... Un se déchire de nous, hein, bah du coup, on n'en aura plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas illimité, hein, c'est pas des sources illimitées. On peut pas lire parce que il fait nuit. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, peut-être les baies, les préparer. Yes, on peut faire ça. Ça, c'est cool, ça. Ok, on fait ça. Tant qu'on se réchauffe. Une fois qu'on est plein, on fonce, je pense. C'est pour ça que j'aime bien les avoir de côté. C'est pour ça que je les garde de côté aussi. Parce que comme ça, ça nous permet de passer 10-15 minutes comme ça à chaque fois. 15 minutes. C'est pas mal. On va en faire encore une. On va faire ça. Très bien. Là, on est plein. Voilà. Là, on est plein, c'est bon, ça. On a assez d'eau, très bien. Ok. Allez. On y va ou pas? Allez, on y va. On va essayer de pas trop sprinter pour pas se fatiguer. Et on va essayer de coller. Non, c'est par là-bas. Coller les murs, coller les arbres. Pour avoir le plus de protection possible. Là, il y a la carcasse. Un kilo de viande, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, c'est pas grand chose. Et je suis bloqué. T'es sérieux? On a perdu un peu de temps là avec le fait d'être bloqué comme un con. Ok, on est de retour sur la route, c'est bien. Le fait d'être bloqué comme un idiot là, ça nous a fait perdre du temps, mais bon. C'est que le froid descend très vite. Enfin la température descend très vite. Allez, on y est presque. Oula. Je me suis levé, mais au mauvais moment. J'ai l'impression que ma tête, elle a traversé le rocher.
l'éboulement. Allez, on doit bientôt y être là. Parfait. Ok, on est bon, on est à l'autoroute. Alors, le problème c'est qu'on est encore loin du camp et il fait très froid et on a faim. Et ça, vous le saviez déjà, donc je vous apprends rien du tout. Donc, en fait, je pense que nous allons aller à une cabane à la place. On va pas aller au camp parce que le camp est trop loin encore, il y a trop à marcher. Nous allons aller à l'île. L'île des... comment ça s'appelle ? Des lièvres ? Enfin, une des deux îles. Voilà, une des deux îles. Je sais plus laquelle est la première. Alors par contre, il faut pas se louper. Parce que là, on voit rien. Ok, là, c'est les maisons brisées. Donc on va aller par là. Oh putain, on voit que dalle. Alors là, si je me loupe, on est mort. Si je me loupe, on est complètement mort. Toujours tout droit, toujours tout droit. Ok, le vent se calme. Ça fout quand même un peu les boules, hein. De rien voir comme ça. Hein. Faut avouer, hein. Ah, on est au bord de l'eau. Hein. Oh la vache, où est-ce que je suis là? Je me suis dit, attends, comment on trouve des objets en plein milieu? Ok, là c'est le moment où je sais que je panique parce que je sais pas où on est. Mais tu vas pas me dire que c'est normal de rien trouver comme ça. Genre rien de rien. Et j'aurais vraiment pas dû faire ça en fait. Oh la vache. Oh, je vois terre. Terre à l'horizon, mon capitaine. Maintenant, il faut identifier la zone. Mon capitaine, je ne sais pas où nous sommes. Waouh, ça... Ça dit rien de bon, mon capitaine. Sérieux, on est où? On est où, bordel de merde? Je ne reconnais pas
On est sur une île ou on est sur la Terre?